Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de 20h. Bonsoir Cassandra. Bonsoir à tous, bonsoir Hélène et bienvenue au JT spécial cérémonie des vœux du maire de Moyon le Captif. Oui, ce soir nous avons des invités de prestige pour ce JT spécial. Je crois d'ailleurs que notre reporter Enzo se trouve au boulodrome avec des élus du CME. Enzo, l'antenne est à vous. Merci Cassandre, merci Hélène. En effet, je suis en direct du futur boulodrome de Moyon le Captif en compagnie de Zédi Couteau, Mélina Montassier et Léanor Verdon, membres de la commission animation restaurant scolaire du CME de Moyon le Captif. Mélina, pouvez-vous nous dire deux mots sur ce projet ? Bonjour Enzo, bonjour à tous. Alors oui, c'est un projet qui a démarré en septembre 2022 et devrait se terminer en juin 2023. Il y aura aussi des terrains de pétanque couverts et un city stade. Merci Mélina. Bonsoir Eleanor et Zélie. Pouvez-vous me dire un petit mot sur votre commission ? Cette année, nous allons organiser deux repas à thème au restaurant scolaire. L'idée est de choisir le menu et une animation. La commission sport bilocale nous sollicitera aussi pour l'organisation d'une journée sportive inter-école. Merci beaucoup. Eden et Cassandre, je vous redonne l'antenne. Oh pardon, nous sommes à l'antenne. Alors pour notre prochain reportage, rejoignons la commission solidarité du CME. Bonsoir à tous, je suis en compagnie de Juliette Clochard, Éloi Perraudeau, Morgane Joly, Alice Roerous, Antoine Jouet, Mathias Rigaudot, Alban Lenoir-Phoenix, membre de la commission solidarité. Antoine, un petit mot sur votre commission. Cette année, nous allons organiser une collecte de boîtes solidaires. L'idée de cette boîte est d'offrir aux Ukrainiens du nécessaire de toilette, mais aussi un peu de sourire avec des dessins et des gourmandises. Une très belle action, je repasse l'antenne à nos présentateurs. Merci pour ce petit reportage. Eden, un petit mot ? Non, Cassandre, nous pouvons passer à notre reportage suivant. Bonsoir Eden, bonsoir Cassandre, bonsoir à tous. Je suis en direct de l'éco-pâturage de la Rose des Vents avec Soprano et Soam. Pardon, non, je me trompe dans mes notes. Avec les élus de la commission environnement du CME, toujours de Moyon le Captif. Bonsoir. Pouvez-vous nous dire un petit mot sur l'éco-pâturage qui se trouve derrière nous ? Cet éco-pâturage a vu le jour en 2022. Il a accueilli des boucs et des chevaux. Deux boucs ont été nommés Soprano et Soam par le CME de l'année dernière. Merci Apolline. Cette année, la commission environnement est composée de Apolline Pro, Gauthier Chopeau, Élie Chabot, Héloïse Rougeon, Selena Laligan, Mila Arsicot et Charlie Gillens. Cette année, nous organisons une animation sur le thème de l'environnement. Cette animation se déroulera pendant la Semaine Verte. Pour rappel, la Semaine Verte aura lieu du 24 avril au 6 mai. Merci beaucoup à tous. Cassandre, Eden, c'est à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'est la fin de notre journal télévisé. Attends, Eden, il me semble que le CME a un dernier mot pour l'ensemble des Mouillerenais.